Bonjour et bienvenue à l'ABC de la voyance. Mon nom est Juliana, je suis la fée de l'Ouest et je serai votre hôte pour la prochaine heure pour cette belle émission spéciale que nous avons ce matin à vous proposer. Et je vous dis, ce matin, on va voyager, on va se promener, puis on va surtout découvrir un univers assez fascinant, je vous le promets. Aussi, je veux vous rappeler que nous sommes présentement diffusés en direct via les plateformes Facebook et YouTube et vous pouvez retrouver tout le contenu de nos émissions précédentes sur fedelouest.com dans la section blog. Alors, vous pouvez à tous les jours aller retrouver vos émissions préférées, aller les regarder. Elles s'y retrouvent très, très facilement. Aussi, d'ailleurs, vous pouvez, via la page Juliana Fée de l'Ouest, vous pouvez aller du côté gauche de votre écran et vous allez voir, il y a un onglet qui indique en direct. Donc, si pour vous, vous dites, des fois, c'est compliqué de trouver l'émission, vous pouvez utiliser cet onglet qui va vous amener directement sur l'émission qui a cours et vous allez pouvoir profiter tranquillement, sans trop stresser, de chacune des minutes de celle-ci. Et surtout, ben, pour ne pas rater rien, on fait d'une façon très, très simplifiée. Aussi, je veux vous inviter dès maintenant à partager l'émission qui a cours. Alors, vous pouvez partager ou soit vous pouvez démarrer une séance vidéo afin d'inviter vos amis à venir visualiser l'émission avec vous. Et qu'est-ce que ça vous amène? Qu'est-ce que ça vous procure? Ben, vous courez la chance de gagner les chèques d'abondance. Donc, les chèques, un beau livret de chèques qui vous permet de faire vos chèques toute l'année afin d'avoir de l'abondance au quotidien et aussi ben, profiter des nouvelles lunes et d'en vivre pleinement. Et vous allez voir, c'est payant de travailler avec les lunes parce que souvent, ça nous amène des belles occasions et des belles opportunités. Parce qu'elle a partagé hier l'émission, alors on a Mme Diane Paris qui s'est mérité les chèques d'abondance. Donc, félicitations Mme Paris pour votre partage. C'est super gentil. C'est ce qui fait une différence aussi. Plus de gens la découvrent et c'est toujours des belles découvertes qu'on fait. Notre pensée du jour aujourd'hui, alors ben, aujourd'hui c'était, l'amour maternel est le seul bonheur qui surpasse toutes les promesses de l'espérance. Ça vient de Adélaïde de Souza. Alors, l'amour maternel, bien sûr, hein, quand on a de l'amour de notre maman ou on donne de l'amour à nos enfants, ça les permet d'être dans un bonheur constant. Et bien sûr, ben, moi, je suis comme, j'aime ça moi aussi. Alors, on va vivre l'amour ce matin, vous allez voir, pleinement. Aussi, je veux vous inviter à ceux et celles qui aimeraient s'abonner à mon infolettre. Vous pouvez aller sur fedelouest.com et vous abonner à l'infolettre pour ne pas rater les prochaines activités de la fée qui aura lieu la prochaine, c'est le 6 juin. Ceux qui ont envie de venir participer à l'activité, ça va être une formation sur le pendule. Alors, c'est samedi le 6 juin. C'est une formation en après-midi. Les critères, c'est d'avoir simplement un pendule et surtout avoir envie d'en apprendre et de l'utiliser facilement. Vous pouvez réserver votre espace sur fedelouest.com dans la section rendez-vous. C'est là que vous allez vous inscrire pour l'atelier sur le pendule, bien entendu. Aujourd'hui, on est le 29 mai. Alors, je tiens à vous dire un beau bonjour. Je sais qu'il y en a plusieurs. J'ai des gens de la France, on a des gens de la Côte-Nord, on a des gens aussi de l'Abitibi, du Québec, de la Gaspésie. On a des gens des États-Unis, de Vancouver qui nous suivent. Alors, merci d'être là chaque jour et de faire une belle différence dans notre vie. Aujourd'hui, je vous propose une émission que je vous dirais, je vous fais rencontrer une sirène ce matin. Oui, une belle sirène, une femme qui m'inspire beaucoup. C'est une jeune femme dynamique et qui, elle, a décidé de revisiter des classiques, mais à sa méthode et à sa façon. Et je peux vous dire que vous allez en apprendre beaucoup avec cette jeune femme inspirante et surtout pétillante. Alors, j'ai le grand bonheur de vous présenter ce matin Madame Jacinthe Carrier de Magic Moon. Alors, bonjour Jacinthe. Salut Juliana, impétiente toi-même. Mais merci, merci. Alors Jacinthe, moi là, j'ai eu le bonheur de lire toutes tes choses et puis là, j'ai dit, hey, ce matin là, les gens se demandaient, ça avait l'air de quoi une sirène? Ben c'est ça, vous l'avez, elle est magnifique, t'es vraiment inspirante. Et moi, j'ai vu tout ce que tu as fait, j'ai dit, mon Dieu, aujourd'hui, ils vont triper parce que t'es vraiment dynamique. Oui, puis quand je dis pétillante, c'est que chaque bulle a sa réalité, mais tu amènes quelque chose de rafraîchissant et merci d'avoir accepté notre invitation. Hey, merci tellement. C'est tellement un beau hasard qu'on se voit aujourd'hui. C'est une journée exceptionnelle. Fait que je suis super excitée.
Ah, ben c'est bien, mais je suis contente de faire partie de la journée exceptionnelle pour ça. Jacinthe, moi, j'ai plein de questions à te poser un matin parce que justement, tu fais de l'astrologie, tu dis, tu fais de l'astrologie consciente et aussi, tu as créé un événement qui s'appelle Magic Moon. Donc, moi, ce matin, ce que je veux découvrir avec toi, ben en fait, c'est parce que tu es fascinée en fait des relations humaines et puis, tu t'es mis à découvrir beaucoup l'astrologie et à vouloir en savoir plus. Donc, qu'est-ce que c'est de l'astrologie consciente, en fait? Qu'est-ce que c'est? Bien, de l'astrologie de conscience ou consciente, c'est quand je veux trop dire de choses en même temps, ça peut choisir qu'est-ce que je choisis en premier. L'astrologie consciente, c'est une approche que je suis en train de développer avec ma collègue astrologue Vanessa Massera. C'est à la base, on a une formation en astrologie de coaching de l'école de Sébastien Michel, qui est un de mes professeurs préférés ever en astrologie dans la francophonie mondiale. Et il est meilleur, il est dans mon top 3, même si j'ai inclus tous mes profs d'université à l'UQAM, là, même si c'est pas un prof d'université en tant que tel. L'astrologie de coaching que Sébastien enseigne, c'est la base, mais ça s'est basé, ça aussi, sur d'autres approches qui existent déjà en astrologie. L'astrologie d'évolution, l'astrologie psychologique. Donc, moi, depuis que j'ai fait ma formation avec lui, je me suis intéressée à d'autres mouvements en astrologie, dont l'astrologie intuitive, qui est vraiment, c'est une sorte de canalisation quand on fait la carte du ciel de quelqu'un. Donc, pour pas seulement utiliser son mental puis ses connaissances mathématiques en astrologie pour sortir la carte du ciel. Donc, ça va beaucoup plus loin que seulement le calcul des astres dans le ciel. Donc, astrologie intuitive, d'évolution psychologique, aussi astrologie magique. Puis pourquoi on a appelé ça astrologie consciente ou de conscience? C'est parce que j'ai remarqué que les gens, quand ils viennent en consultation d'astrologie, si je mets pas la table avant, ils me demandent tout le temps, est-ce que je vais rencontrer l'amour cette année? Est-ce que je vais être en santé? Est-ce que je vais changer d'emploi? Est-ce que je vais déménager? Puis là, je suis obligée de recadrer pour leur dire, ce n'est pas l'astrologie que je pratique, contrairement à l'astrologie traditionnelle ou ancienne, il ne sert pas à prédire l'avenir. Pas du tout. C'est vraiment une approche d'astrologie où est-ce qu'on va vraiment plonger au cœur de la connaissance de la personne, apprendre à mieux se connaître avec les symboles d'astrologie. Pour faire le mouvement à ce moment-là. Ben oui, mais c'est une astrologie pour faire prendre des prises de conscience. Les gens portent souvent les réponses à l'intérieur d'eux-mêmes, mais ils ne se font pas confiance. Donc, l'astrologie vient souvent confirmer. Donc, quand je termine une rencontre en astrologie, une consultation avec les gens, la majorité du temps, ils me disent, Oh my God, wow, ça me parle tellement ce que tu dis, ça résonne tellement pour moi, tu viens vraiment de confirmer plein de choses que je savais déjà, mais que j'osais pas avouer ou que j'avais pas vu de la même façon. Ça me permet vraiment d'aller de l'avant avec ça. Donc, si vous êtes déjà comme super intuitif puis connecté, la rencontre va permettre de venir confirmer des choses parce que ça vient confirmer parce que veut pas, on sort. Ça va aller amplifier dans le fond la connexion. Oui. Tu vas pouvoir donner les astres, ça, et tu vas pouvoir. C'est comme si tu les regardes parce que tu parles beaucoup. Dans tout ce que j'ai lu sur toi, tu parles de la carte routière. Fait que c'est un peu comme si tu deviens le Google Map pour eux en astrologie pour les guider correctement afin que quand il survient un événement, ben, ils puissent bien réagir et utiliser les outils qu'ils ont déjà, que toi, tu Oui, vas leur avoir validés. comment miser sur ces forces qu'on nous a données à la naissance? Quelqu'un, puis je vais te donner un exemple si tu veux. Ben oui, avec grand plaisir. On aime ça. On en veut des exemples, on en veut parce qu'on a plein de questions, hein. Fait que garde-nous du temps pour toutes nos questions. Inquiète-toi pas. Mais juste comme pour vous donner un exemple, tu sais, j'ai déjà fait une amie, sa carte du ciel en gros, puis. Il y avait beaucoup de feu, là. Je pense que c'était comme une Sagittaire, ascendant Sagittaire, mais il y avait vraiment beaucoup de feu, puis dans sa carte du ciel, puis normalement, si on se base sur sa carte du ciel, sa façon d'être dans le monde, sa personnalité aurait dû être
très dynamique, très extraverti, très going out there, I don't care. Je m'excuse pour l'anglais. Mais c'était quelqu'un de plutôt timide, réservé, plus intérieur, qui refoulait beaucoup, introverti, tu sais, qui osait pas trop aller dans l'action. Donc, puis ça arrive quand vous avez votre carte du ciel, puis vous vous dites, mon Dieu, me semble ça marche donc pas, me semble que ça a pas rapport que j'ai un ascendant scorpion ou que je sois tel signe, c'est bien bizarre, ça marche pas l'astrologie. Mais c'est pas parce que ça marche pas, c'est juste parce que les gens n'ont pas pleinement habité le signe. Quand je parle de carte routière du bonheur en astrologie, c'est que si tu sais, c'est qu'on va venir vraiment cibler, OK, toi, quand t'es né, là, t'es faite pour être dans l'action, être dans le feu, t'es faite pour ça. Mais si t'as des blocages, ça va t'aider à cibler où t'as des blocages et où tu devrais miser dans ton développement personnel pour te développer, pour vraiment aller activer ces forces-là qui sont déjà dans ta carte du ciel. T'es prédestiné à les habiter dans ce monde. Est-ce que c'était clair? Oui, c'est clair. Oui. C'est clair parce que dans le fond, moi, je comprends ce que tu veux dire. Pour ceux à la maison, nous, on est habitués des cartes traditionnelles du ciel. Et là, moi, malheureusement, j'ai 3 planètes rétrogrades dans mes cartes. Puis c'est sûr, tu sais bien que j'ai Mercure. Donc là, c'est comme tout le temps la catastrophe. Puis moi, quand je sors d'une expérience de carte du ciel, je dois te dire, Jacinthe, je suis toujours désagréablement déçue parce que c'est ça qu'on me parle. On me parle que c'est tellement terrible ce que j'ai dans ma carte que c'est quasiment si je suis toujours de catastrophe en catastrophe. Puis qui n'est pas le cas. C'est pas le cas parce que j'arrive toujours à. Moi, je pense que ça nous permet de nous propulser. Fait que c'est surtout ça. Fait que je trouve ça intéressant de. Oui, regarde, il se passe ça dans ton image, mais si tu fais un effet de levier, ben là, tu peux vraiment encore plus optimiser ta carte du ciel puis faire en sorte que tu vas pouvoir te développer. Donc, oui, c'est ça. Moi, j'avais vu... Tu as nommé quelque chose de super intéressant très rapidement. Là. C'est que tu as dit, moi, ma carte du ciel, à ce qui paraît, c'est de mauvaise augure ou je ne sais pas, quelque chose dans ce genre-là. Mais ça, c'est souvent dans une approche d'astrologie traditionnelle ancienne qui plus... fataliste, qui genre, OK, t'as Saturne dans telle maison, dans tel signe, tu vas être dépressif toute ta vie. Non! C'est pas vrai. C'est l'ancienne astrologie fonctionnait comme ça. Elle nous enfermait dans des schèmes comme si on pouvait pas changer sa vie puis prendre nos propres décisions avec notre libre arbitre. Mais c'est pas ça. Le rôle de l'astrologie, en tout cas, l'astrologie que je pratique, c'est plutôt de donner du pouvoir à la personne pour que tu puisses changer ta vie puis la créer comme tu veux, mais en sachant c'est où peut-être tes points forts et oui, peut-être où tu devrais mettre plus d'attention sur certaines faiblesses, mais c'est ça, donc tu viens de dire. C'est très différent ton approche, c'est positif en fait. Oui, ça veut pas dire que tout est rose, mais on redonne le pouvoir aux gens. On n'est pas là pour dire aux gens quoi faire, donc prenez pas rendez-vous avec moi si vous attendez que je vous dise quoi faire. Ça se peut que je vous mette vos vérités en pleine face. Mais avec beaucoup d'amour. Ah oui, mais on se ressemble un peu, hein? Quand ils viennent pour la boule, des fois, ils font « Oh mon Dieu, là, Juliana nous a dit ça! » Mais c'est ça, on donne des outils, on veut avancer, on veut cheminer. Puis c'est ça. Quand je lisais, tu disais en fait, il y a une partie de votre astrologie qui est basée sur des symboles de l'Égypte. Puis en même temps, ce qui vous aide puis tu l'amènes à faire la compréhension dans la vie actuelle. Donc, mais vous, là, comment toi, Jacinthe, t'es arrivée à dire que tu voulais aller dans ce type d'astrologie-là, puis plutôt que les autres? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es envoyée là? On va faire une courte pause. Je te laisse avec la question. Oui. On va te retrouver tout après parce que je sais que tu vas me donner une réponse importante. Donc, en fait, ma question, c'est, tu t'es basé sur les bases traditionnelles, mais qu'est-ce que toi qui t'as appelé dans le fait de vouloir te propulser dans ce type d'astrologie-là? Fait qu'on se laisse un court instant, mais on se retrouve tout de suite après avec la réponse de Jacinthe. Mmh.
Alors oui, si vous avez envie de contribuer encore pour la campagne des 500 oreillers de la fée, c'est le moment, c'est le temps. Il reste à peine 2 journées pour le faire. Donc, dès que vous achetez un livret de chèque d'abondance comme celui-ci au coût de 10 $, bien, dès que 2 livrets sont achetés, ça nous permet d'offrir un oreiller à la Fondation québécoise du cancer qui, eux, présentement, accompagnent les gens qui ont cancer. C'est des hôtels. Donc, les gens vont coucher à les hôtels de la Fondation tout près des hôpitaux pour qu'ils puissent bénéficier de leurs soins. Et l'objectif était, bien sûr, 500 oreillers à leur offrir avant le 31 mai. Et bien sûr, ben, j'ai ma baguette magique. On va aller voir aujourd'hui à combien on est rendu au total. Alors, à la kazam, à la kazoum, bouing! Nous sommes à 536 oreillers. On a dépassé l'objectif, mais on continue quand même à recueillir les dons et les fonds. Et vous pouvez faire l'achat des chèques sur fidelwest.com dans la section boutique. Et si vous voulez faire un don direct, oui, ça peut être une belle occasion pour vous. Ça va vous remettre un reçu d'impôt. Donc, vous pouvez le faire à jedonneenligne.org, Fondation québécoise du cancer, /Juliana. Vous allez avoir le lien aussi en bas de l'émission. Alors, si vous voulez faire une différence, dès que vous faites un don de 20 $, vous obtenez un reçu. Donc, pourquoi pas? C'est une belle façon de redonner. Et sachez, pour ceux qui écoutent l'émission la première fois, à la première diffusion de l'émission, voilà 66 jours, nous étions à 300 oreillers de l'objectif. Donc, en 66 jours, on a réussi à les trouver 336 oreillers. Donc, bravo à vous. Bravo d'avoir fait une différence pour les patients qui bénéficient des services de la Fondation. C'est un grand bonheur. Alors, je poursuis. J'avais laissé Jacinthe sur ma question parce que Jacinthe, elle a des belles grandes réponses. Donc, là, je voulais qu'elle me dise pourquoi, Jacinthe, que tu es allée vers ce type d'astrologie qui est tout à fait génial. Moi, je t'écoute un matin, là, j'ai le goût de courir, aller faire ma carte du... Non, je ne courrais pas, mais je vais plutôt t'écrire online. attends, rappelle-moi ta question. Pourquoi j'ai décidé... Pourquoi tu es allée vers ce type d'astrologie-là? Est-ce que c'était parce que la traditionnelle, pour toi, là, quand tu la faisais, tu sentais que ce n'était pas ce que tu avais envie de partager? Okay, ben, oui, je t'explique avec plaisir. Oui. C'est simplement à cause de mon prof, Sébastien Michel, de l'école de tarot et d'astrologie Sébastien Michel, qui est une référence en astrologie francophone dans le monde. Sébastien, bien, premièrement, j'ai été attirée par ce prof-là par hasard et par intuition par la suite. J'ai fait une recherche Google, je suis tombée sur lui, j'ai testé en kinésiologie holistique. Est-ce que c'est bon pour moi, ce prof-là? Oui. Puis là, ben, j'ai commencé le niveau 1 pour son cours d'astrologie professionnelle et j'ai fini par faire les 4 niveaux 2 fois. Deux fois! Oui, oui, la première fois, je faisais juste écouter, j'intégrais pas tant que ça, donc j'ai voulu le refaire une deuxième fois. Mais wow. Tout ça pour dire que lui, son approche, ça résonnait tellement fort. Le fait, c'est lui qui nous a expliqué, qui nous expliquait dans le cours, ben, voici pourquoi moi j'enseigne l'astrologie de coaching qui est la, dans le fond, une astrologie d'évolution. Puis moi, ça me parlait tellement, puis j'ai fait, ben mon Dieu, en effet, je veux dire, l'astrologie traditionnelle, tu sais, c'est les mêmes techniques de base là, de calcul, Juliana, c'est juste l'interprétation qui est différente. Donc, je pourrais faire de l'astrologie traditionnelle si je voulais, mais ça sert à rien. Moi, je trouve que de te dire... Je t'adore, hein? Ça sert à rien! Mais non, mais... Tu veux donner les outils, tu veux... Oui, mais ça donne rien que je te dise, Juliana, tu vas rencontrer... T'es célibataire ou en couple? Célibataire, oui. Donc, ça... Moi aussi. Ça donne rien de dire, Juliana, tu vas rencontrer... genre, je sais pas moi, il y a un sextile, il y a un trigone de Vénus et de Jupiter dans le ciel début septembre, le 18 septembre, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Exemple, non, ça veut pas dire, tu peux toi-même prendre tes propres décisions n'importe quand, puis ça se peut que ce soit une période favorable pour ça, mais... C'est toi qui décides qui tu rencontres, où tu le rencontres. Parce que moi, ma fête, c'est le 17 septembre. Donc, tu es en train de m'annoncer que le 18 septembre, là, je rencontre l'homme de ma vie. Là c'est... Mais en tout cas, moi, je peux te dire qu'il y a un scorpion, ascendant scorpion, qui aimerait beaucoup te rencontrer. Donc, oh Seigneur! Mais c'est vrai que tu dis là, ça veut rien dire quand tu dis ça. Toi, tu veux que les gens, qu'on ait une image, qu'on ait qu'on ait une image qui nous dit, OK, c'est ça qui se passe. Donc, c'est génial. Jacinthe, on a une question. Je vais juste, on va la mettre, on va pouvoir voir la belle question, Frédérico.
Alors, Céline Bacoté qui dit question. Vous travaillez avec l'astrologie régulière au Védic, car pour moi, ça change. Je ne suis plus vierge, mais lion avec la Védic, car ils tiennent compte que la Terre a bougé. Je ne sais plus, c'est plus clair. Ben, c'est vrai, Linda, c'est plus clair, mais c'est toi qui as fait. C'est très clair. Oui, Linda. Linda, écoute, sincèrement, là, moi, je... Je suis pas la fille, je suis pas l'astrologue la plus technique au monde. Je connais la technique, mais écoute, cette question-là, je pense que je l'ai posée 8 fois à mon prof, puis j'oublie tout le temps la réponse, juste pour te dire comment j'essaie de plus être dans mon mental quand je pratique l'astrologie. Mais en gros, l'astrologie védique, qu'on va dire indienne, ou c'est quoi son autre nom aussi, j'ai un blanc de mémoire, je ne la pratique pas. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'écrits sur le sujet. C'est beaucoup plus pratiqué en Inde ou dans cette région-là de l'Orient. Moi, je pratique ce qu'on appelle l'astrologie tropicale ou occidentale. C'est la plus enseignée partout dans le... Puis moi, je voulais quelque chose qui soit mondial, que les gens puissent se référer facilement. Puis, je fais tellement confiance à mon mentor principal qui était Sébastien Michel. Lui a déjà évalué tout ça. Puis, il nous avait expliqué pourquoi il était resté sur ça. Puis, je n'irai pas dans les détails, mais je ne suis pas en train de dire que l'astrologie védique, ce n'est pas bon. D'accord? Je pense que c'est 2 approches avec une symbolique différente. Mais oui. Mais en fait, pour répondre à la question, d'abord, elle va rester vierge. C'est ça qu'on va dire. Parce que là, si on ne va pas avec la védique, on va la... Parce que toi, quand tu calcules en traditionnel ou dans le fond, c'est ça? Oui. Oui, en traditionnel. Oui, c'est ça. Exact. Elle probablement qu'elle doit être proche du 24 ou 23-24 août, qui fait qu'elle se mélange. Mais bref, vous allez rester vierge, mais vous êtes chanceuse. Les vierges sont extraordinaires. C'est un signe tellement merveilleux. Mais la différence, Juliana, la différence entre les deux, c'est que l'astrologie tropicale ou occidentale, elle est basée davantage sur la position du soleil, tandis que l'astrologie védique, si je ne me trompe pas, c'est davantage au niveau des étoiles. C'est juste la différence de perspective puis mathématique après. Donc, c'est ça. T'sais, mais tropical, c'est inspirant, là. C'est, me semble, on a le goût de... Moi, je trouve ça le fun, l'astrologie. En tout cas, moi, j'en apprends un matin. Moi, je vous dis, j'ai chaud. J'ai vraiment chaud. C'est juste l'astrologie occidentale, traditionnelle. Oui. C'est un terme, là, mais on... C'est juste C'est ça, mais je trouve ça intéressant parce que là, on découvre, mais en fait, avec toi, on va faire l'astrologie vraiment consciente, puis c'est ça. Tantôt, on parlait de la carte routière, puis tu avais par rapport à la carte du ciel. Donc, toi, les gens, quand ils viennent te voir, ils partent avec une carte, une carte du ciel, mais qui devient leur carte routière et tu leur donnes, comment tu fonctionnes? Tu leur donnes des points de repère ou tu leur donnes une façon d'agir ou... ou tu débloques peut-être des choses parce que là, il y a des prises de conscience qui se fait là, quand on prend. Il y a beaucoup de prises de conscience. Ça dépend si on fait la carte du ciel pour de naissance ou de l'année. C'est pas le même type de consultation. Okay. Mais tu sais, si on fait la carte du ciel de naissance. Excuse, c'était quoi ta question? C'est une sirène, hein? Inquiétez-vous pas. Oui, il y a peut-être un peu de TDA là-dedans. Une fille avec une sirène, c'est merveilleux. T'es adorable. Moi, je t'adore. Hein? Alors, ma question, mon frère dit Doris. Doris, quand c'est mes sorties, tout à fait. Oui, hein, c'est ça. Doris, c'était dans Nemo, là. Enfin, de trouver Nemo. En fait, ce que je disais, c'était, tu avais la carte du ciel, parce que tu parlais de carte routière et carte du ciel, et tu disais que c'est 2 services différents. Ah oui, donc, comment ça fonctionne? OK, je vais par planète. Okay. Je vais par planète. Donc, je sors la carte du ciel de mon client qui a une consultation. Et là, je fais la pré-analyse. OK, exemple, Juliana, tu as ton soleil dans tel signe. Exemple, tu m'as dit que c'était en septembre. Donc, tu as ton soleil en vierge. C'est ça ta date de fête? Anyway, du soleil. Ouais. OK. Donc, exemple, tu aurais ton soleil en vierge dans telle maison. C'est
dans ta carte du ciel. Je vais par planète. Puis chaque planète, Vénus, Mercure, Mars, Jupiter, Pluton, etc., représente une partie de ta psyché. Donc, Mercure, ça va être ta façon de communiquer puis de penser. Vénus, ça va être ta façon d'entrer en relation avec les autres puis aussi ta créativité. Neptune, ça va être lié à ta façon de vivre ta spiritualité, etc. Donc, on les regarde vraiment une par une pour voir, OK, toi, tu fonctionnes comment, là? Puis, c'est où sont tes forces? Peut-être, non, pas encore développées. Donc, on va vraiment soulever où est ton potentiel à toi maximal. C'est ça. Est-ce que ça répond à ta question? Bien oui, ben c'est ça, ça répond. Puis là, après ça, ben, quand la personne repart, ben elle a un coffre d'outils qui est plein au lieu d'avoir un coffre d'outils qu'elle ne sait pas trop avec des mots techniques et des mots où elle ne peut pas mettre des mots M-O-T-S, M-O-T-S, oui, c'est ça, à la bonne place. Donc, c'est ça. Tu parles aussi que, en fait, quand tu crées la carte du ciel, tu nous dis que c'est un peu, tu nous parles en fait de notre ADN astrologique de naissance. Alors, qui est différent de notre date de naissance. C'est ça, si je comprends bien, parce que tu nous fais une ADN de naissance. C'est vraiment juste une image parce que la date de naissance avec le lieu de naissance, l'heure exacte, c'est avec ça qu'on crée la carte du ciel et la carte du ciel représente l'ADN astrologique. C'est le blueprint, donc c'est vraiment la carte du ciel, c'est comme mon prof disait souvent, c'est comme avant de te réincarner sur Terre, Dieu et toi, vous avez choisi comme une carte routière ou l'ADN pour la vie à venir sur Terre, puis c'est vraiment une carte que tu peux utiliser toute ta vie. Donc quand je parle d'ADN, c'est vraiment juste une image qui est composée par la carte du ciel, qui... On va dire que les différentes planètes dans la carte du ciel, c'est comme les molécules, les atomes de l'ADN. Mais on a un commentaire qui vient de rentrer, on va le regarder et ensuite je vais aller avec ma suite de questions que j'ai là. On a Sylvie Aumet qui dit « La révolution solaire est une technique de prévision en astrologie qui décrit le climat de vos 12 prochains mois à partir de votre anniversaire. Elle est basée sur le retour du soleil chaque année à la position exacte de votre soleil à l'instant de votre naissance. » Oui, Sylvie, c'est une de mes collègues qui a suivi la formation en même temps que moi avec Sébastien Michel. Donc, une astrologue et aussi une voyante. Puis Sylvie, elle adore donner des spécifications techniques. Donc, la révolution solaire, on n'en a pas parlé, mais c'est un autre type de consultation d'astrologie que je donne pour savoir où est-ce qu'on doit mettre notre focus laser dans l'année courante, entre notre fête et notre fête l'année suivante. Donc, c'est quoi les thèmes importants de notre année? Exemple de notre année 2020. On pourra regarder la tienne, si tu veux, à un moment donné. Donc, c'est vraiment utile, surtout dans 2020, qui est une année de changement et de transformation assez incroyable, qui est très challengeante. Donc, de savoir, dans l'année qui s'en vient ou qui est en cours, 2020 puis 2021, où je dois mettre mon attention, qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que je dois transformer. Là, en ce moment, il y en a beaucoup qui ne savent plus où se garrocher, là, tellement il y a des défis, que ce soit des séparations, des changements d'emploi, des pertes d'emploi financièrement avec la famille, la garde partagée. Ouf! C'est étourdissant tout ça. C'est une énergie qui est... Mais en même temps... Comme je dis souvent, ça nous ramène à là, vraiment se focusser sur nous puis vraiment s'aligner. Alors, c'est tout intérêt. Mais toi, comment tu t'y prends? Mettons qu'on communique avec toi. Comment tu fais pour déterminer déjà à l'avance qu'est-ce qui serait mieux pour la personne? Est-ce que c'est lorsque tu regardes la carte ou c'est selon ce que la personne te demande? Comment tu fonctionnes? Bien, sur mon site web, sur la page d'Astrologie consciente, c'est expliqué en détail les deux types de consultations. C'est quoi l'avantage d'un, c'est quoi l'avantage de l'autre. C'est pas du tout le même prix non plus. Ça aide les gens à se décider. Là, il y en a une qui est à 175 puis l'autre à 95. Puis ça dépend de tes objectifs. Tu veux-tu juste ta carte routière, ta recette du bonheur pour l'année ou pour toute ta vie? Fait que souvent, les gens qui connaissent pas l'approche en astrologie ou qui font comme « je vais-tu aimer ça? » vont commencer avec le moins cher. Puis, ils ont tellement trippé qu'après ça, ils prennent le deuxième rendez-vous. Mais c'est souvent aussi l'inverse. Les gens qui commencent avec leur carte du ciel, ils ont aussi tellement aimé ça
qui prennent rendez-vous pour savoir leur carte du ciel de l'année. Donc, les gens... Dans le fond, ils voient quand ils réservent avec toi, puis ensuite, ils peuvent compléter par la suite, rajouter un autre service sans problème. Exact. Oh, c'est fantastique. On s'arrête un court instant, on va avoir une vidéo et ensuite, on se retrouve tout de suite après avec la suite, avec Jacinthe Carrier. Je trouve ça inspirant, Jacinthe. J'aime ça. Parce que durant le début de l'émission, j'ai une surprise. J'ai des gens qui ont été touchés. Donc, on va refaire un décompte de où on est rendu avec les oreillers. Alors, à la kazoum, boing! Nous sommes à 539 oreillers. Merci beaucoup. J'ai une dame qui a envoyé un don direct pour acheter des oreillers. Alors, juste pour vous dire, un oreiller coûte 8,50 $. Alors, elle a fait un don pour acheter. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Chaque fois que je regarde ce commercial-là, c'est une longue implication qu'on a fait. Je le sais, peut-être des fois, vous dites, elle en parle encore, mais c'est important. Il y a peut-être qu'un jour, vous allez accompagner quelqu'un, puis vous allez dire, hey, les oreillers, c'est Juliana qui les a fournis pour cette situation-là. Puis, je vous souhaite de jamais accompagner personne. Mais si ça arrive, vous allez savoir qu'ils vont être confortables. Donc, vous pouvez maintenant donner en ligne sur jedonneenligne.org, Fondation québécoise du cancer. Et Juliana, vous avez le lien au bas de l'émission. Alors, on poursuit avec la très belle Jacinthe Carrier. J'ai passé mon émotion. Ça me touche toujours la vidéo. Alors, Jacinthe, moi, on s'est laissé sur le type de consultation, qu'est-ce qu'il y avait à faire. Et là, mon autre question, parce qu'il y en a qui se demandent, là, est-ce qu'il y a un moment favorable dans l'année pour consulter au niveau de notre carte du ciel ou on peut le faire à tout moment? On peut le faire à tout moment. Toutefois, la carte du ciel de l'année, c'est pour de la révolution solaire, la technique de révolution solaire, c'est de la fête à la fête. Donc, prenez votre rendez-vous 1 à 3 mois avant votre date d'anniversaire pour la carte du ciel de l'année. Puis la carte du ciel de naissance, ben si vous ne l'avez pas encore, qu'attendez-vous? C'est maintenant là, que vous voulez avoir votre recette de bonheur pour votre vie, votre carte routière pour votre vie. Donc, elle, c'est n'importe quand. Ah, wow. Ben, moi, j'aime ça, Jacinthe, parce que c'est ça, tu nous mets en place, si on veut vraiment fonctionner comme il faut, ben, il y a deux façons très simples, donc c'est fantastique. Et moi, ce que j'aimerais, parce que là, tu en as parlé un peu du potentiel que tu vas aider à développer et tout ça, mais c'est quoi, moi, je suis sûre qu'en prenant une consultation avec toi, il y a des bienfaits, c'est quoi les bienfaits qu'on reçoit à suite d'une consultation avec toi? Ça vient vraiment confirmer beaucoup de choses. Les gens viennent vraiment chercher leurs réponses. Puis, je leur mets pas tout cru dans la bouche, là. C'est vraiment... c'est presque comme un rendez-vous avec une psy. Genre astrologue et psy, là. C'est vraiment... si vous n'avez pas envie de changer pour le mieux, prenez pas rendez-vous avec moi, s'il vous plaît, OK? Ça va rien donner. Parce que je ne fais pas de prédiction de toute façon, mais si vous avez envie de passer au prochain niveau dans votre vie, puis de,
d'améliorer les choses qui peuvent être améliorées, puis de miser sur vos forces, savoir où mettre votre focus, savoir de naissance dans votre ADN astrologique où sont vos challenges, mais aussi vos opportunités. Prenez rendez-vous. C'est ça, les bénéfices. Ça apporte beaucoup de clarté, de réponse, de direction dans sa vie. Voilà. Ah ben c'est parfait parce que dans le fond, c'est ça. D'ailleurs, quand on a préparé l'émission, je t'ai demandé, je disais, ah, Jacinthe, est-ce que vu que tu fais de l'astrologie, tu vas nous parler des signes? Et ta réponse a été, non, Juliana, je ne parlerai pas des prédictions par signes. Et là, je suis restée surprise parce que j'ai dit, ah, ben Jacinthe, tu es astrologue, tu veux pas nous parler de ce qui s'en vient pour le mois de juin? Et là, tu m'as dit, non, Juliana, j'ai quelque chose de mieux pour que ça. Que faire des prédictions. Et là, tu m'as parlé des dates magiques. Oui! Et là, j'ai dit, et là, c'est ça votre surprise aujourd'hui que vous avez de la part de Jacinthe. Donc, explique-nous, c'est quoi les dates magiques? Bien, premièrement, je veux juste faire une petite spécification. Pourquoi moi, je ne fais pas des prédictions signe par signe à tous les mois, par exemple? Je pourrais en faire, là. C'est juste que ça, on va dire l'horoscope, c'est basé sur le soleil. Exemple, toi, Juliana, ton soleil était dans la Vierge quand t'es née. Puis le soleil, c'est le plus important dans une carte du ciel. Tu sais, ça représente, exemple, comme influence, peut-être 30 % de ta carte du ciel. Donc, les horoscopes, c'est basé sur le soleil seulement. Sauf que tu as un ascendant, puis tu as toutes les autres planètes dans ta carte du ciel. Donc, toi, t'es pas juste Vierge, t'es pas juste ton soleil en Vierge, t'es beaucoup plus complexe que ça. Et donc, les horoscopes, c'est basé vraiment juste sur la position du soleil, mais c'est juste, c'est très, très partiel hein, comme prédiction de toute façon. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'invite plutôt les gens à avoir une vraie consultation d'astrologie personnalisée pour chacune des planètes dans ta carte du ciel et le calendrier des dates magiques. Oui, là, tu nous en parles. Oui, bien, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas des prévisions, c'est plutôt tous les jours de l'année, il y a les astres, les astres ont des mouvements. Okay? Ils continuent à avancer, puis ça tourne autour de la Terre avec le Soleil. Puis les astres ont des influences automatiquement sur nous, les humains, petits humains sur cette Terre. Les influences vont changer à tous les jours parce que les planètes bougent, incluant avec le soleil, la lune, puis bref. Donc, le calendrier des dates magiques que j'ai créé et en collaboration avec ma collègue Vanessa Massera, merci Vanessa, c'est la base, c'est l'astrologie élective. Et c'est quoi l'astrologie élective? C'est quels sont les meilleurs jours pour faire une action précise dans un domaine. Et les jours ne seront pas pareils si tu veux faire une action pour te rapprocher de ton chum, pour rencontrer un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, pour passer une entrevue, pour avoir un nouvel emploi qui t'excite, pour signer un contrat lucratif, que ce soit business, pour vendre ta maison en immobilier. Il y a vraiment des planètes maîtresses qui viennent. Chaque jour peut avoir des influences différentes. Donc, les dates magiques, c'est des dates où est-ce que, selon les principes de l'astrologie élective et consciente, on va vraiment, on a l'appui et le soutien des astres. Encore plus, c'est comme un petit coup de main, c'est comme un vent dans le dos pour faire des actions dans un domaine précis. Pour nous faire avancer, pour nous mettre à notre meilleur. Oui, c'est ça. Et Puis là, ben toi, tu nous donnes, avec ces dates-là, c'est là que tu nous invites à faire une action selon la date, c'est ça? Exact. Je ne sais pas si on peut le montrer à l'écran. Mais c'est ça qu'on est en train de voir. Ah, pas de problème. Oui. Donc, comment ça fonctionne? Puis là, je ne suis pas en train de dire, exemple, pour l'amour, pour connecter en couple ou pour rencontrer quelqu'un, il y a des dates magiques pour l'amour. OK? Il va y avoir un petit rond rouge dans les dates du calendrier. Ça ne veut pas dire que c'est les seules dates pour rencontrer ou pour connecter avec son chum. Là. Okay? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous suiviez absolument ces dates-là. C'est juste que ces dates-là, moi, j'ai fait un travail d'analyse assez long de plusieurs centaines d'heures
avec ma collègue Vanessa, où est-ce qu'on a vraiment, on a pré-bâché l'information. On ne trouve pas ça dans aucun autre calendrier astrologique que j'ai vu, en tout cas. Ça nous permet vraiment de déterminer où est-ce qu'on a un coup de pouce supplémentaire des astres pour qu'il y ait une action, qu'il y ait des résultats bénéfiques et du succès dans nos actions sur un thème donné. C'était-tu clair? Des fois, je parle. Puis... Oui, ben non, mais moi, je trouve ça, oui, j'ai compris parce que de comment tu l'expliques. Et d'ailleurs, moi, ce que ça me fait penser, mon père, il est en train d'écouter l'émission présentement, puis il est en train de dire, ça ressemble au biorhythme un peu pour ceux qui, je sais pas si tu connais le biorhythme. Tu me parles, je me rappelle plus, c'est quoi exactement? C'est ça, c'était autrefois, il y avait une calculatrice, il y avait des calculatrices qui existaient de tout ça. Tu rentrais tes coordonnées, puis ça te disait dans le mois un peu ton biorhythme, quand c'était favorable, ton énergie. En fait, on parle d'énergie pour la personne, que son énergie était plus haute et plus basse. Mais toi, tu y vas par un calendrier, mais ça m'amène un peu à cette théorie-là qui fait que, tu sais, si ton énergie est basse puis que tu es à terre, ben c'est peut-être pas le temps d'aller dire « Hey, je suis le meilleur vendeur au monde », tu sais. Mais si ton énergie est high, ben là, tu vas être capable d'aller toucher. Là, j'ai sorti, je sais pas, je pense qu'il est en train de Frédérico, il y a un petit problème technique, mais j'ai été fouillée dans ton calendrier magique. Hey, moi, j'ai trippé, là. Et là, j'ai découvert que le 3 juin, là, c'est la journée du mois, là. C'est la fête à ma fille, elle va avoir 19 ans, mais c'est la journée du mois, je vous dis, là, le 3 juin, bloquez ça dans votre calendrier. C'est le party. Parce que là, tu as mis, écoute, tout est bon. Tu as une date parfaite, c'est la date magique du mois, je pense. C'est-tu ça? À vrai dire, il y a plusieurs, quand je dis date magique, il y a plusieurs dates magiques, mais dans des domaines précis différents. L'argent, les finances, le travail, la carrière, l'entreprise en ligne, l'immobilier, la santé, la spiritualité, la guérison vibratoire. Ils ont chacune des dates magiques. Toutefois, ce que tu viens de nommer, c'est qu'il y a des journées dans le mois qui sont favorables pour plusieurs thématiques en même temps. Puis ça, c'est moi, j'appelle ça les dates magiques super wow. Fait que vous pouvez les prendre en note si vous voulez. Il y a le 3 juin. Ouais. Il y a aussi d'intéressant le 7 juin et le 12 juin. Et c'est les trois dates les plus wow du mois parce que vraiment dans différents domaines, les astres nous supportent là, ces dates-là précisément. Mais j'ai juste porté une petite note sur ça. Les dates magiques, là, je veux pas... Le plus important, là, il y a une notice d'utilisation dans le calendrier des dates magiques si vous allez le télécharger. Puis d'ailleurs, je le lançais... Ce matin, le calendrier gratuit des dates magiques du mois de juin. Oui, José, c'est ça. On va dis-nous où on peut aller trouver ça. Alors ça, là, c'est pour toutes vous autres qui regardez l'émission. Là, vous pouvez aller chercher les dates magiques. Ils vont sur jacinecarrier.com. Vous allez là. Les dates magiques sont là. Et ils vont pouvoir télécharger pour tout le mois. Donc, c'est un beau cadeau parce qu'en fait, c'est le cadeau que Jacinthe vous offre toutes ce matin et tous pour que vous puissiez être dans la magie, la magic, la super magie des dates. Wow! Quand il y a un X, ça veut dire quoi? Parce que j'ai vu dans le calendrier que tu avais des dates qui avaient un rond noir avec un X. Oui, c'est des dates où la lune est en pause. Le terme technique, c'est lune « void of course ». Ou vide de passage ou hors parcours. Moi, je trouvais ça plus simple de l'appeler lune en pause. Donc, la lune agit comme une médiatrice ou un messager pour communiquer l'énergie des autres planètes dans le ciel jusqu'à la Terre. Okay. Donc, dans les principes d'astrologie élective, quand il y a une journée où la lune est en pause, comme hier, elle était en pause toute la journée, il est dit que tout ce qui est fait sous une lune en pause risque d'avoir un peu moins ou pas d'impact significatif dans le futur. Donc, vous avez le droit de faire ce que vous voulez ces journées-là. Il n'y a aucun problème, là, OK? Suivez votre intuition, c'est ça votre premier guide. Toutefois, si vous voulez mettre toutes les chances de votre bord puis que vous avez de la latitude au niveau de votre horaire, quand la lune est en pause, on évite les initiatives et les actions importantes. C'est des journées où est-ce que c'est privilégié de faire des activités, où est-ce qu'on tourne le regard à l'intérieur de soi, où est-ce qu'on s'intériorise davantage.
où est-ce qu'on peut méditer, être tranquille chez nous, là, faire de la popote, faire du ménage. Si vous êtes au travail ou au bureau et que vous n'avez pas le choix, ben peut-être plus travailler dans les la planification, le ménage de vos papiers, la comptabilité ou les brainstorms d'équipe. Mais moi, je te conseille pas d'aller prendre un rendez-vous pour signer ton plus gros contrat à vie chez un client pendant une lune en pause. C'est pas le timing. Ah, c'est tu peux le faire, tu peux le faire. Ce qui arrive, c'est que les astres, là, j'ai juste qu'on comprenne ça, c'est super important pour moi. Juliana, si tu permets. Oui. OK. Les astres sont là pour nous donner un coup de pouce, une tape dans le dos, un vent dans le dos. Mais, tu sais, si vous faites quelque chose d'important, même dans les dates où est-ce qu'il y a un rond noir avec un X, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas du tout, là. OK? Vous avez tout le pouvoir nécessaire. Si vous avez les conditions, je vais vous donner un exemple en pourcentage. Si tu as les compétences qu'il faut pour faire l'action voulue, une action importante, peu importe laquelle, là, dans la vie personnelle ou du travail, puis que tu as fait tes devoirs pour faire l'action en question, ben exemple, tu vas avoir 50 % de chance que ton action porte les fruits que tu voudrais avoir. Si les astres sont de ton côté, ben au lieu d'être à 50 % de réussite ou de chance de succès, tu vas peut-être être à 75 %. Fait qu'on va aller vers le meilleur pour soi. On va devoir faire une courte pause. Voyez, elle est passionnée. Ça ne sera pas très long. On fait une courte pause. On se retrouve tout de suite après pour la conclusion de l'émission avec Jacinthe Carrier. J'espère que ça vous inspire parce que c'était vraiment inspirant. Alors, si vous avez envie de faire une consultation virtuelle auprès de moi avec la boule de cristal ou le tarot ou les autres services, c'est possible. Alors, vous allez sur fedelouest.com dans la section rendez-vous. Les rendez-vous se font via Skype, Facebook, Zoom et Messenger, bien sûr, ou par téléphone. Donc, je vous invite à prendre dès maintenant votre rendez-vous pour les prochaines dates magique, comme on dit, avec Jacinthe. Alors, Jacinthe, on est déjà presque rendu à la fin de l'émission. On est en conclusion et là, il me reste plein de choses à te poser comme questions. Alors, on dit qu'on a une question qui vient de rentrer, mais ensuite, là, on va faire une rafale parce que faut que je parle de ton majestueux projet. Puis... Ah non, mais attends, moi, je suis crampée. On n'a pas parlé, je pense, du corps, de ce qu'on voulait parler. Non. Toi, c'est deux jours d'émission avec Jacinthe. On va faire des ateliers avec Jacinthe. Encore Sylvie qui dit le biorhythme et l'astrologie électrique sont très différents. On se sert des planètes et des définitions des maisons astrologiques pour calculer. C'est un travail de longue haleine. Oui. Exact. C'est très différent, mais je comprends ce que ton père voulait dire dans le sens que ça, c'est des guides, même si la technique et puis la façon de l'appliquer, c'est très différent. Merci Sylvie pour la spécification. On a une question de Frédérico, notre plus grand fan de l'émission, qui dit « Quelle est la meilleure journée pour séduire une sirène? » Oh là là! C'est pas au mois de juin. C'est pas au mois de juin. Non, parce que Vénus est rétrograde au mois de juin, donc c'est vraiment pas une bonne journée pour établir de nouvelles connexions de séduction. Avoir Vénus, la planète de l'amour et des relations et de la beauté et du désir, va revenir direct fin juin. Donc, c'est ça. Fait qu'il va y avoir la saison des amours en fin juin. Jacinthe, j'avais une question avant de parler de ton autre projet. Aujourd'hui, tantôt, je t'ai demandé avant que l'émission commence, j'ai dit, tu sais, Jacinthe, que les astrologues qui ont passé sur l'émission, eux autres, ils vérifiaient selon leur plan comment ça se connectait. Puis, je t'ai demandé quand que je t'ai offert le 29, est-ce que tu as réfléchi à ça? Puis, tu m'as regardé, tu as dit, ben non, mais après, j'ai été vérifiée. Et qu'est-ce qui faisait qu'aujourd'hui, c'était une belle journée pour toi? Est-ce qu'il y avait... bel aspect dans la lune? Oui, bien, dans le fond, ce qui a fait la différence, c'est... Bien, premièrement, c'est bizarre, là, mais oui, je vais faire... Quand je fais ma planification, je regarde les dates magiques du mois de juin, je regarde les dates magiques, mais à la base, mon premier guide, c'est mon intuition. Donc, mon intuition, elle m'a dit telle date, c'est correct, mais... Après ça, j'ai été regarder. Bien, premièrement, la Lune était en pause hier, pas aujourd'hui. Donc, ça, c'était déjà bon. Donc, c'était une bonne journée aujourd'hui. Toute la semaine jusqu'à la fin mai, c'était des dates magiques dans le calendrier du mois de mai pour l'argent et la croissance financière. Oui. Et
Ça, c'est un détail technique d'astrologie élective, mais le dernier aspect que la Lune fait avant de retomber en pause le 31 mai, c'est un, je crois, un trigone à Jupiter. Donc, c'est un bel aspect d'harmonisation de Jupiter, la planète de l'abondance et de l'expansion. Donc tout ce qui est fait aujourd'hui et demain vont être colorés par l'abondance, si vous faites des actions, ça peut être influencé positivement. Donc, voilà. Ah, ben c'est bon, ça, c'est une belle action. Et là, on va parler de Lune, là, parce que Jacinthe, elle a créé un projet extraordinaire qui s'appelle Magic Moon. Et j'aimerais ça que tu nous expliques, c'est quoi Magic Moon? Il y en a plusieurs qui le connaissent déjà, mais c'est elle qui a créé ce projet-là. Et ça, c'est ton bébé, fait que j'ai envie de t'entendre parler de ça. Tout le monde en parle, alors on veut le faire découvrir ce matin. Oui, ben Magic Moon, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté de découverte spirituelle. Dans le fond, moi, j'ai commencé un cheminement de développement, d'épanouissement personnel et spirituel il y a quelques années. Et je faisais tellement des rencontres extraordinaires d'enseignants et de guides spirituels, puis de mentors. J'ai fait, mon doux Seigneur, il faut que les gens les connaissent. Ça change la vie. Fait que j'ai créé le cercle Magic Moon. Les événements Magic Moon ont lieu depuis 2 ans, puis là maintenant en personne, puis là maintenant c'est en ligne. À tous les mois, on a un rendez-vous magique pour toucher les étoiles. On a un invité magique différent où est-ce qu'on va vraiment goûter à une expérience complète et totale avec un mentor spirituel. Exemple, le mois passé, on a eu Sylvain Carufel qui est venu jouer des mantras avec nous. Live avec sa guitare. Annie Langlois, avec qui on a fait de la respiration consciente. Le mois d'avant, la thématique, c'était s'ouvrir à l'abondance avec Tina Poitras, une coach d'affaires puis personnelle. C'est vraiment des expériences totalement différentes à tous les mois. Donc, c'est ça. Oui! Alors, et Magic Moon, tu nous proposes des activités, puis moi, j'ai été lire beaucoup. Tu as des méditations libératrices à la pleine lune, tu as l'élévation du taux vibratoire, les énergies célestes, les messages de la lune. Alors, tu as beaucoup de choses que tu proposes aux gens de vivre comme expérience sur ton site et virtuellement. Oui, bien, l'expérience Magic Moon, principalement, c'est une fois par mois. C'est un rendez-vous en direct de 2 heures où est-ce que on a une équipe de thérapeutes énergétiques et de lumière qui se connectent à l'énergie du groupe et qui nous aident à élever le taux vibratoire du groupe qui est présent. Moi, je vous fais aussi qu'est-ce qui s'en vient au niveau de la nouvelle lune ou qu'est-ce qui se passe dans le ciel avec les astres au niveau de l'astrologie. L'invité magique nous fait vivre une expérience d'environ 1 heure. On fait, et là je souris parce que on est dans la même thématique toi puis moi, Juliana. Il y a toujours un rituel de nouvelle lune où est-ce qu'on fait des vœux nouvelle lune, ça ressemble au principe du chèque d'abondance. Et où est-ce que je guide aussi, je guide une visualisation, une méditation de gratitude, puis des fois sur d'autres thèmes pour nous aider à nous visualiser comme si nos vœux de nouvelle lune étaient déjà réalisés. Donc, c'est vraiment une expérience globale en soi. C'est un rendez-vous assez unique une fois par mois. Et 2 semaines plus tard, lors de la pleine lune, en petit groupe privé, en direct, je guide aussi une méditation pour profiter des énergies de la pleine lune. Puis là, la prochaine, c'est une éclipse. Oui. OK. Alors, ça va être particulier, celle-là. Oui. Et là, les gens, comment ils peuvent participer à tes soirées? Parce qu'avant, tu les faisais physiquement, mais pour aller participer à tes soirées, on procède comment? On fait ça, est-ce qu'on va sur ton site? Ce n'est pas les soirées, c'est maintenant 2 jours, parce que maintenant, on accueille les gens de l'Europe. Donc, ça se fait le dimanche matin suivant la nouvelle lune de 10h à midi le matin. Si vous ne pouvez pas être là en direct, vous pouvez écouter la vidéo le soir. Il n'y a pas de problème sur votre plateforme en ligne, c'est accessible en différé, en tout temps, de façon illimitée. Puis, comment ça fonctionne? Bien, il faut simplement aller sur mon site, jacinthecarrier.com. Merci. Vous allez avoir un onglet Magic Moon. Si vous cliquez là-dessus, ça va vous donner l'information, qu'est-ce que c'est plus en détail, puis aussi comment vous abonner. Donc, puis ce qui est vraiment cool, puis que les gens ne savent pas encore. Oh, tu nous donnes beaucoup de primeurs ce matin. Hein? Bien, c'est une même, ça donne demain. C'est que quand vous prenez l'abonnement à Magic Moon annuellement, premièrement,
ça va vous coûter seulement 18 $ par mois au lieu de 30 $ par mois. Et je donne le calendrier annuel 2020 des dates magiques à tous ceux qui s'inscrivent annuellement à Magic Moon. Donc, ceux qui sont déjà inscrits l'ont déjà reçu dans leur plateforme. Et c'est ça. Puis ce calendrier-là, comme là aujourd'hui, si vous allez sur le site jacinthecarrier.com, vous avez une section où vous devez entrer votre adresse courriel pour recevoir le calendrier gratuit des dates magiques de juin 2020. Mais si vous voulez comme vraiment planifier là, toutes vos actions plus d'avance dans l'année, puis vous êtes structuré, puis vous voulez mettre toutes les chances de votre bord, bien, vous avez accès pour seulement 27 $ au calendrier de juin à décembre 2020, de toutes les dates magiques du reste de 2020. Donc, c'est ça. Donc, on a une belle occasion d'un beau 6 mois de calendrier qui nous permet de vraiment faire une belle planification pour être toujours à notre meilleur et surtout tirer bénéfice des influences pour nous propulser plus loin. Donc, c'est vraiment ça. Jacinthe, on est presque à la fin de l'émission. Il reste que quelques petites minutes avec toi. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi ton grand rêve secret là, que tu portes en toi que tu aimerais nous partager aujourd'hui? Wow! j'en ai deux, OK? Le premier, sur le plan professionnel, ben, je suis en train de le réaliser en ce moment. C'est de pouvoir parler à plein de gens autour du globe via le web. Fait que j'ai déjà commencé, puis ça va juste prendre de l'ampleur dans les prochaines années. Donc, de pouvoir aider et inspirer les gens à vraiment à s'empuissancer. Moi, je suis une adepte de l'empowerment. Là. Tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Il faut juste que tu t'assumes et que tu le fasses. si je peux vous aider là-dedans, ça va me faire plaisir. Puis sinon, mais à un niveau plus personnel, ben j'ai 36 ans, je suis célibataire, je veux une famille. Voilà. Scorpion, ascendant, scorpion. Bon. Ça part mal, le scorpion. Mon père était scorpion. Mais moi, je te souhaite de réaliser une rencontre extraordinaire parce que vraiment, tu rayonnes. Ça paraît que tu es passionnée. Moi, je ne connaissais pas du tout le type d'astrologie que tu faisais. J'apprends comme tout le monde, c'est ça l'ABC. Hein. On vient ouvrir des portes. Puis, je suis certaine, on aurait pu jaser vraiment 2-3 heures juste à parler de tout ce que tu as comme chose parce que c'est tellement important, en fait, que c'est ce qui ça nous permet après de nous comprendre et vraiment important. En dernier lieu, on a une petite question qu'on dit, est-ce que, bon, dans tes événements qui s'en viennent, toi, ton prochain événement Magic Moon, c'est le 21 juin? Oui, pour le jour même de la nouvelle lune, puis je crois que le solstice d'été aussi. Oui. C'est le 21 juin, donc je suis vraiment excitée. Ça va être une journée assez extraordinaire où est-ce que on va faire une expérience. Magic Moon, c'est pas des conférences, c'est des expériences. Donc, une expérience pour vraiment entrer dans l'énergie du cœur pour découvrir son guide intérieur. Mmh. On va aller trouver des réponses. On va activer l'énergie du cœur, on va rentrer à l'intérieur. Donc, c'est plus loin que l'intuition, ça. Ça va être assez extraordinaire avec Daniel Desjardins, qui est le canal des guides de l'unité depuis 10 ans. C'est normal si vous ne connaissez pas c'est qui les guides de l'unité. Je ne les connaissais pas moi non plus avant, mais c'est des. Ça, on va découvrir. Ah bien. Écoute, Jacinthe, on doit te laisser aller, mais je tiens à te remercier. J'invite les gens, ceux qui veulent avoir le calendrier, des meilleures dates, des dates magiques, ou aller voir plus sur Magic Moon ou prendre rendez-vous avec Jacinthe, c'est sur jacinthecarrier.com. Alors, merci infiniment, Jacinthe, d'avoir été des nôtres, de nous avoir offert chaleureusement ton temps ce matin. C'est fort apprécié. Merci, Juliana, la fée et la sirène. C'est un super duo. Merci beaucoup. Alors, écoutez, on est déjà presque à la fin. Moi, je veux juste vous dire que c'est toujours inspirant. J'aime ça, vous m'inspirez et puis j'aime ça découvrir des nouvelles choses avec vous. Et c'est ça l'objectif de l'ABC de la voyance, bien entendu. Je vous rappelle, dimanche, nous aurons Mélanie Lavoie qui va nous parler des huiles essentielles avec les chakras, avec les énergies. Donc, c'est une émission de 60 minutes à ne pas rater parce qu'elle va vraiment nous dire comment on peut bénéficier, aligner nos chakras avec les huiles, travailler avec, elle a fait un travail colossal pour l'émission. Alors, je suis bien heureuse de pouvoir l'accueillir. Et bien sûr, moi, je vous rappelle, ceux qui ont envie de nous envoyer vos commentaires, suggestions, vous envoyez ça sur info@fedelouest.com.
www.lavoyancemonon.com. Alors, tous vos commentaires, on les reçoit. Si vous avez des questions, des suggestions, gênez-vous pas, on aime ça. Et bien sûr, ben moi, je vous rappelle, je suis Juliana, je suis la fée de l'Ouest et j'ai toujours le grand bonheur d'animer cette émission-ci. Donc, demain, moi, je vous retrouve sous le coup de 11h à l'ABC de la voyance. Bonne journée tout le monde. Bye bye.